Eh bien, ben, c'est un grand jour aujourd'hui puisque nous lançons le troisième baromètre Hootsuite Visionary Marketing de l'utilisation des médias sociaux en entreprise. Et alors, avec une grande nouveauté cette année avec nos amis de Hootsuite, c'est qu'on ouvre ce baromètre à tous les professionnels, c'est-à-dire pas seulement les marketeurs, mais tous les professionnels peuvent répondre dans ce questionnaire, dont nous allons d'ailleurs indiquer sur Periscope et sur la vidéo et dans les articles le lien qui vous permettra d'y répondre. On a déjà d'ailleurs 300 réponses depuis hier. Allez, on va se fixer un objectif des 1000 réponses. C'est un challenge. Alors, plusieurs points sur ce baromètre qui est donc le troisième baromètre d'utilisation des médias sociaux que nous avons lancé avec Johan Ben Walid, il y a maintenant déjà presque plus de 4 ans, 2014. Première chose, c'était l'utilisation des médias sociaux en entreprise eux-mêmes, hein, elles-mêmes plutôt, où on avait observé entre 2015 et 2017 un bouleversement avec une utilisation de plus en plus importante de Facebook, hein, qui avait pris la première place. Et puis, depuis lors, hein, ça serait difficile de faire l'impasse là-dessus. On a eu quelques scandales, notamment celui de Cambridge Analytica, pour ceux qui arrivent à comprendre ce qui s'est réellement passé. Et comme toujours, l'oiseau de Minerve, c'est la chouette, ne se lèvant que la nuit, comme disait Hegel, on saura la réalité certainement dans quelques années. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir quel va être l'impact de ces scandales et de ces campagnes autour de la donnée privée, notamment à l'aube de la mise en place du RGPD en France, en Europe. Et on va voir si cette tendance va s'inverser. Et bon, là, les paris sont ouverts. Est-ce qu'on va voir aussi Twitter remonter, LinkedIn reprendre une place peut-être plus importante que celle qu'elle avait au dernier baromètre et reprendre la place qu'il avait dans le premier? Twitter était aussi beaucoup critiqué avec les faux comptes et les robots, et donc du coup, ils ont pris beaucoup de mesures anti-robots récemment. Deuxième point, on a remarqué de façon assez cohérente, première et deuxième baromètre, que les médias sociaux étaient encore majoritairement utilisés dans le cadre personnel et que le cadre professionnel, même s'il y a un rattrapage net, c'est quand même, moi ça fait 15 ans que j'en fais à titre professionnel, donc les médias sociaux c'est quand même quelque chose d'assez mûr aujourd'hui, mais on pourrait se poser la question de savoir s'ils vont devenir un outil de travail quotidien et surtout ce qui est intéressant dans ce nouveau baromètre de cette année, c'est qu'on va pouvoir le comparer sur plusieurs professions. Deuxième chose qui va être intéressante dans ce baromètre de cette année, c'est que nous avons réussi, après discussion avec Yandy Reimer, avec également le patron de Hootsuite, quand il est venu ici, Hootsuite a décidé de lancer ce questionnaire dans plusieurs pays du monde. Et donc, on va pouvoir comparer nos résultats français aux résultats des autres pays, un peu comme on l'avait fait au premier baromètre. Donc ça, c'est très intéressant. Ça va être, on promet un rapport beaucoup plus riche encore que l'année dernière. Et vraiment, je suis impatient de voir les résultats. Troisième point. Troisième point, on sent peut-être, c'est récurrent. Qu'on appelle une fatigue des médias sociaux. Vous savez, il y a quelques années, on parlait de Facebook fatigue. Voilà, donc avec les événements controversés, et puis je ne parlerai pas d'une certaine propagande qu'on voit sur les médias sociaux de l'autre côté de l'Atlantique, par des gens qui d'ailleurs, et on peut le regretter, savent très bien utiliser Twitter, pour le coup. Alors on verra, est-ce qu'on sent cette fatigue ou est-ce que c'est ce Facebook Twitter fatigue dont on nous parle tout le temps? Et de façon récurrente, quelque chose qui finalement n'a pas d'impact. Cinquième point, 67% des répondants de 2017 déclaraient que les médias sociaux allaient de plus en plus contribuer aux résultats financiers de l'entreprise. Donc là, on espère bien avoir des réponses
un peu plus circonstanciée sur ce sujet, sur ce sujet-là et sur la façon dont l'entreprise va pouvoir améliorer son résultat avec les médias sociaux et notamment le fameux retour sur investissement dont tout le monde nous parle, mais finalement sur lequel on avait quelques doutes la dernière fois. Et puis, moi, ce que je voudrais, il y avait un insight qui paraissait particulièrement important dans le premier baromètre de 2015, 14-15, c'était finalement la faible utilisation des médias sociaux pour essayer d'améliorer l'expérience client. Alors que pourtant, ils sont faits pour ça, et donc on avait particulièrement interpellé à l'époque les membres de nos amis de l'ADTEM pour justement sur ce sujet-là. Voilà, donc il ne nous reste plus que vous demander de vous mettre derrière vos claviers et vos souris. Nous allons mettre le lien pour le questionnaire dans Periscope, dans les médias sociaux, bien entendu, ça va de soi, dans les blogs et dans nos newsletters, bien entendu. Vous allez avoir une série d'articles qui permettront aussi de donner un peu de contexte à ce questionnaire. Et eh bien, à bientôt pour les résultats du baromètre Hootsuite Visionary Marketing 2018 sur l'utilisation des médias sociaux, avec entre-temps un passage par quelques, comme tous les ans, avec nos amis experts des médias sociaux en entreprise au travers de focus group qu'on organise avec Yann Dierheimer, l'autre Yann, et nos amis de Hootsuite. Voilà. Donc, répondez bien au questionnaire, donnez-nous vos avis et nous aurons le plaisir de vous en faire un retour dès que possible. Bonne journée.